Eh bien salut à tous, ici SuperMisa63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur Belgique Brave Soul. Et aujourd'hui les amis, sachez que l'anniversaire n'est pas encore terminé. Le round de 3 vient de commencer, enfin va commencer à partir de demain. Et on va voir tout ce qui va sortir pour ce petit round de 3. Du coup, let's go. Et voilà, on y est, les 6 ans de Brave Souls, 3ème round. Merci de votre fidélité à Belgique Brave Souls. Le 3ème round des 6 ans de Brave Souls débarque le 16 août. Comptez encore sur de nombreux événements et opérations comme la loterie Brave Souls saisonnière gratuite où le pack est 6 ans hors 3 pour fêter les 6 ans du jeu comme il se doit. A bientôt dans Bleach Brave Souls. Et oui les amis, la loterie est gratuite mais sur les saisonniers encore mieux, ça veut dire qu'on pourra choper des persos exclusifs, du coup ça c'est extrêmement bon. Elle est de retour, voilà, elle est de retour à partir de demain à 9h les amis, n'hésitez pas, on aura 10 multi gratos de 1 à 9, t'as une chance de choper un 5 étoiles et bien évidemment à la dernière multi, la 10ème, t'auras un 5 étoiles garanti en saisonnier, du coup n'hésitez pas à claquer vos multi gratos. N'oubliez pas, bien évidemment, comme ils ont dit, un pack 6 ans hors 3, mais vous me connaissez, les packs, c'est pas intéressant pour moi. Encore une fois, un pack 6 ans 3. Et là, on a une quête cadeau, étincelle du renouveau disponible. Ça, c'est très très bien pour les co-op, etc. Mais surtout pour les super propos pour ma part. L'étincelle du renouveau vous permet de continuer gratuitement durant une quête. N'oubliez pas de terminer cette quête chaque jour pour en obtenir une. Là, la petite bougie, c'est quand tu vas mourir, hop, tu pourras te réveiller. Voilà, ça sert juste à ça. Et ça commence par contre le 22 août à 17h jusqu'au 31 août à 17h. Voilà, ça sera pas pour demain. Et là, les amis, taux d'obtention des objets de renforcement augmenté. Et moi, je peux vous dire que Popo est de retour. Vous pouvez refermer des popos de grosses quantités. Ça va arriver très très bientôt. Durant la période, divers objets sont plus faciles à obtenir. Obtenez de nombreux objets de renforcement pour améliorer vos personnages. À partir du 16 août à 9h jusqu'au 30 août à 9h. Et par contre, là, les popos, ça va pas commencer dès demain. Par contre, à partir de demain à 9h jusqu'au 23 août à 9h, on aura les cristaux, les gemmes, quantité x3. Très très bon pour les nouveaux joueurs qui vont arriver dans le jeu. N'hésitez pas à farm tous ces petits ressources pour demain. Et les larmes, quantité x2, ça aussi. Les nouveaux joueurs, vous pouvez aller farmer tout ça. Cristaux, gemmes et larmes, pour ma part, c'est des ressources de base qu'il faut avoir dans le jeu. Et le 23 août à 9h jusqu'au 30 août à 9h, on aura les popos x2, les amis. Voilà, ça sera pas pour demain, mais le 23, il faut commencer à aller chercher des petits popos si vous manque quelques stocks. Ou mettre des persos T10 à droite à gauche, n'hésitez pas. Et derrière, on a les rubans de transmigration, quantité x2 pour les résus si vous voulez faire un stock. Pourquoi pas? Ah, tu croyais qu'il y en avait encore? Ah non, c'est fini, hein. Ah non, 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 ah non, 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 c'est fini, c'est fini, c'est fini toutes les news du round 2-3. Ah non, non, c'est tout. Pour ma part, les choses à noter, c'est la loterie gratuite quotidienne qui va arriver demain à 9h. Je compte sur vous d'aller le faire. Les popos, voilà, les popos, il faut noter. Les autres, bah c'est du bonus pour ma part. Pour ma part, c'est le bonus. En tout cas, voilà, le round de 3 n'est pas oufissime, hein, mais moi j'ai déjà parlé au niveau côté Twitch, le lien est en description. Déjà parlé de ça, je vous ai prévenu que round de 3 sera pas si incroyable que ça, hein. ça va être juste des trucs à farm, etc. Bon, là ils vont nous passer des loteries quotidiennes gratos, c'est plutôt cool, c'est nice, merci Kelab. Mais après, il faut pas oublier que c'est possible que fin août, il y aura une loterie exclusive qui va arriver et moi je pense que ça sera sa fouille. Mais bon, après moi je dis rien, moi c'est juste mon ressenti tout simplement. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour les news du round de 3. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir de ta part, et lâchez vos commentaires, vos avis de cette round de 3 qui va arriver à partir de demain. Et moi je vous dis à très très bientôt sur Bleach Brave Souls. Merci de m'avoir regardé et tchuss.